Sokoto, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 1er octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de Lubumbashi. Lubumbashi pour aller à la rencontre du chairman du tout-puissant Mazembe Englebert Moïse Katumbi Tchapwe, qui s'exprimait sur un sujet qui nous préoccupe tous. On a eu très souvent à en débattre ici. Et le président Moïse Katumbi nous a donné une bonne occasion pour en discuter ici et pour apporter notre contribution. Et la même contribution que nous vous demandons à travers des commentaires, bien évidemment. Mais avant que nous puissions en dire plus, je vous propose d'écouter le chairman du tout-puissant Mazembe Englebert Moïse Katumbi. Vous comprendrez à travers ces quelques mots qu'il va dire le sujet dont nous allons débattre tout de suite après. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Je voudrais féliciter le joueur parce que d'abord, on manque le championnat. Le seul pays au monde où il n'y a pas de championnat, c'est le Congo. Tout est à refaire, je crois. Les gens de la FECOFA sont de bonne foi, mais les moyens ne suivent pas. Il y avait le club Daring, Mazembe et Lupopo qui donnaient des joueurs, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs qui jouent dans notre championnat. Et l'entraîneur a tout à fait raison. Je donne totalement raison à l'entraîneur que je félicite, parce que comment il peut prendre des joueurs qui n'ont pas encore commencé le championnat. Pour moi, le plus important, c'est vrai, c'était très difficile jouer sans championnat. Bravo aux joueurs, bravo au staff technique. Voilà, vous venez de suivre le président Moïse Katumbi. Il s'exprimait en tout cas sur la problématique du choix de Sébastien Desabre sur les joueurs qu'il est en train de convoquer dans la tanière. Depuis un certain temps, vous constaterez que Sébastien Desabre n'a pas plus convoqué, je dirais même qu'il n'a pas convoqué, parce que très souvent ce n'est pas arrivé, un joueur congolais qui évolue au pays. En Afrique, il y en a, en Europe et ailleurs, au Moyen-Orient et même Amérique, je pense aussi, et il peut y en avoir. Mais au pays, il n'y a pratiquement plus de joueurs. Le dernier à être convoqué était Siadi Badjo, le gardien du tout-puissant Mazembe, un club qui fait justement exception par rapport à tous les problèmes qu'on connaît ici au pays. Aujourd'hui, nous remarquons qu'à l'ASV Club, il y a des énorme problème et ça s'est ressenti avec comme conséquence cette élimination précoce face à une équipe moyenne d'Afrique du Sud, quand on sait que la même équipe de l'ASV Club avait battu Mamelodi Sundowns alors que le tout-puissant Mazembe était en difficulté face à cette même équipe. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Moïse Katumbi a posé la bonne question. En fait, le championnat congolais, la problématique de la qualité du championnat, un championnat qui ne démarre toujours pas, ou quand ça démarre, ça démarre en retard, et peut-être que ça va au-delà du délai, on coupe même les championnats. Vous avez des équipes qui ont remporté des titres comme ça, sans même jouer, sans même voir le championnat aller jusqu'à son terme. Et le président Moïse Katumbi Tchapwe, à l'époque, défendait mordicus des joueurs qui évoluaient au pays. Mais aujourd'hui, vous voyez, on dirait qu'il a changé d'avis. Non, il est tout simplement réaliste. Et il a félicité Sébastien Desabre pour son choix, parce que normal, ici au pays, quel joueur Sébastien Desabre peut encore sélectionner en son effectif? Comment avez-vous trouvé les propos du chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi? Comme vous l'avez souligné, il a été réaliste. Donc c'est vrai que le championnat... Vous savez, à l'époque, on disait chaque fois qu'on sait à quand le championnat
de la République démocratique du Congo va commencer, mais on ne sait pas comment, s'il va se terminer. Si ça va se terminer. Mais aujourd'hui, carrément, on ne sait carrément pas quand ça va commencer. On ne sait même pas si on aura encore un championnat. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les joueurs locaux puissent intégrer la tanière des léopards? Du talent en République démocratique du Congo, il y en a à revendre. Un seul exemple. On a toujours été habitué, malgré la pléthore de joueurs binationaux que nous avons, le poste de gardien de but était souvent réservé aux joueurs évoluant en RDC. Au pays. Mais aujourd'hui, carrément, on a les trois joueurs qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire du côté de l'Europe. Et même quand on a voulu élargir, Ezra, c'était de l'Angola. Tout à fait. Donc, même si Adiba aujourd'hui, actuellement, je ne sais plus, mais la saison dernière, il était entre le deuxième et le troisième gardien du tout puissant Mazembe. Malgré cela, il a quand même été sélectionné par Sébastien de Sabre pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a du talent, mais pour le moment, voyons voir d'abord ces talents peut-être émerger du côté du Chan en février. On va les suivre. Moi, il y a des joueurs quand même qui me plaisent. Il y a le petit Matobo là, que j'ai vu avec les U20 de la République démocratique du Congo qui a été élu homme du match face à la Guinée équatoriale. C'est un joueur aussi à suivre. Il a inscrit le troisième but sur penalty. Tout à fait. Donc, il y a du talent à revendre. Mais sinon, il faut laisser le temps aux talents d'éclore. Le joueur Mpassi, comment il s'appelle, qui est Maxime Pianzengeli. Non, qui était parti du côté de Genk, là, le joueur de Vita. Là. Oui, Eli Panzu qui a fait le beau temps du côté de l'AS Vita. Il est parti faire un test qui n'a pas été concluant du côté de Genk et puis en Croatie. Maintenant, il se retrouve du côté de Simba SC en Tanzanie. Donc, il y a les talents, les joueurs. Josué Mwimba Isala, qui a été titularisé d'ailleurs lors du dernier match de Clermont Foot. Tout à fait. Donc, il y a des joueurs qui à peine émergeaient du côté de la Ligue 1 congolaise qui s'expatrient déjà, soit du côté de la Tanzanie, de la Libye, du Maroc. Aujourd'hui, les championnats tanzaniens, tout comme d'autres championnats, sont en train de nous damer les pions, hein, en devenant plus viables que nos championnats. À l'époque, c'était inconcevable. Vous imaginez que Claude Leroy arrive dans ce pays, il trouve des joueurs de petite taille, nos trois techniciens, Matumo Nazolaroum, de l'AS Vita Club, Malambuta Bisco, du Daring Club Monte Mapembe, Trésor Mputu, du tout puissant Mazembe. Trois grands clubs du pays qui ont fourni trois légendes aujourd'hui, hein, des stars dans cette équipe nationale de Claude Leroy. Et Claude Leroy a été convaincu par la qualité de ses joueurs. Au début, il était perplexe, il était sceptique, mais il a été convaincu. Aujourd'hui, est-ce qu'un entraîneur étranger peut venir être convaincu quand on sait que ses joueurs ne jouent même pas? Le championnat ne démarre pas. J'ai suivi Moïse Katumbi qui a un peu dédouané le Connor, hein, qui dit malgré leur volonté, ce sont les moyens qui manquent. Qui doit donner justement ces moyens? Est-ce le gouvernement ou c'est au niveau de la fédération ainsi que la Ligue nationale de football association de trouver des sponsors pour permettre à ce championnat finalement de démarrer, parce que ce n'est pas normal. Vous parlez du championnat d'Afrique des Nations. Allons-y au championnat d'Afrique des Nations. Vous pensez vraiment que le coach Otis Ngoma va prendre la majorité des joueurs évoluant ici quand on sait qu'il y a aujourd'hui au Maroc par exemple un joueur comme Joël Beya qui a du temps de jeu du côté de Far de Rabat, un joueur comme Enoch Inongabaka qui a du temps de jeu du côté de Far de Rabat. Vous avez d'autres joueurs qui évoluent du côté de l'Égypte, Fiston Maele Kalala, nous avons encore Peter Mutumosi, et en Tanzanie, n'en parlons pas, en Afrique du Sud, vous avez Karim Kimvudi. Je pense que l'équipe du Chan pourrait être composée aussi des léopards évoluant sur le continent, donc en dehors de la République démocratique du Congo, et je pense que de ce point de vue, c'est quand même une honte. Moi, je suis content parce que là, je félicite quand même Moïse Katumbi pour son honnêteté intellectuelle. Aussi bien, nous avons été critiques vis-à-vis de lui lorsqu'il estime que le joueur qui venait de l'étranger n'était pas plus fort que ceux qui étaient ici, je peux le comprendre. On a vu un joueur comme Trésor Mputu, s'il a échoué du côté de la Belgique, mais Mbokani a été pris venant de tout puissant Mazembe. On connaît la carrière qu'a connue, Dieu merci, Mbokani en Belgique notamment, c'est une légende de ce côté-là. Et Trésor Mputu est parti du côté d'Arsenal, imaginez Arsenal, Abeti Arsenal qui chondoa Zonginaye. Namazembeur, donc Trésor Mputu n'avait rien à envier à d'autres joueurs qui évoluent à l'étranger. Mais cette époque-là est lointaine, hein, une époque aujourd'hui, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Donc, il y a eu très clairement dégradation de la qualité de notre championnat et ça a un impact sur la qualité des joueurs qui évoluent au pays. Et c'est très dangereux parce qu'ils ont momenté balle et nabisso. Ils ont momenté balle et nabisso. Il suffit juste de regarder le recrutement de l'AS Vita Club. Hein. On prend pêle-mêle des joueurs venus de l'Afrique entière et Vita Club ressemble maintenant à une société
société d'import-export. Donc, ils vendent en gros et ils achètent aussi en gros. Donc, la cohésion, moins peu, cohésion. Écoute, exactement. Et après, on s'étonne. On s'étonne, Stellenbosch, là, en infériorité numérique, laisse vite un club, n'arrive pas. Lamartine n'arrive pas à battre cette équipe sud-africaine. C'est vraiment dommage pour le football africain. Mais je dis, l'ordre doit d'abord venir d'en haut. En haut, je ne parle pas des dirigeants des clubs, mais de la FECOFA, de tout ça. L'ordre doit commencer par là. Parce que ce n'est pas normal que jusqu'à ce stade de l'année, la compétition africaine, la compétition, la Ligue nationale n'est pas encore comment débuter, alors que nos équipes jouent déjà les compétitions africaines. Et cela a été catastrophique pour l'AS Vita Club et le Saint-Éloi Loupopo qui ont été d'entrée de jeu. Et ils ont été victimes. Et ceci peut relancer encore un débat qu'on a toujours eu à initier. On pourra peut-être reprendre ça aussi plus tard, même si ça ne concerne pas toujours Diasco Foot. Mais attention, il y a des sujets qui peuvent intéresser aussi Diasco Foot un peu de manière indirecte. Parce que là, quand même, nous parlons Léopard. Quand nous parlons Léopard, on sait qu'il y a des joueurs de la diaspora qui viennent. Il y a des joueurs qui évoluent au pays aussi, qui peuvent être convoqués par Sébastien Desabre. Je suis heureux pour Sébastien Desabre parce qu'il a été longtemps critiqué. Parce que certains pensent que la gestion de l'équipe nationale de Léopard doit se faire comme la gestion dans l'Union Sacrée. C'est-à-dire on doit se partager des responsabilités. Voilà. Non, ce n'est pas de la politique. Dans l'équipe nationale, on prend les meilleurs, comme Watunda l'avait fait en 98 en se basant sur l'effectif de Sodigraph. On a vu un moment dans l'équipe nationale, on s'est basé sur l'effectif de l'AS Vita Club, du tout puissant Mazembe, parfois même du Darling Club Motema Pembe. Ça peut arriver si c'est cette équipe là Ndeazana Makambu Ndenge Tolobaka Awa. Alors je disais, ceci relance encore la problématique justement des moyens que nous avons. Il faut être réaliste. Est-ce que la République démocratique du Congo a des moyens d'organiser la Ligue Foot telle que nous voulons que ça soit organisé là? Mais non, on doit reconnaître qu'on n'a pas ces mots. Tozonga Naba Ligue. C'est un pays continent. Le pays est immensément grand. C'est impossible de faire un championnat national. On n'a pas les moyens. Ma compagnie qu'on remette devant les ligues. Cette formule du championnat est Bomi Football na Congo Central. Cette formule est Bomi Football na Bandundu. Cette formule na Équateur Koutou, même Bandaga les Aïka ya Okoufa. Et Bomi Football na Province Orientale. Vous imaginez Province Orientale et Pesabiso va jouer le rôle de Beli Gosomo. Donc finalement, tout ce monde a quand même moqué Nord Kivu, Sud Kivu, Pekoufa, Nord Kivu, Katanga, encore que Katanga, Tosolamingi, au Katanga, bon, peut-être Bakolo Zipe, quand même, Naba Simba, Yaba Kotewana, Izobunda, Nakinchasa, mais formule Bomi, Tozonga, Batoua Kinchasa, Babete Pefkin. Après tout ça, le système, il y a des play-off, peut-être dans le terrain neutre. Encore faut-il relancer sur ce débat sur l'infrastructure. Mais au moins, tout ça, la formule, c'est réaliste. Pour Oyo, Ezo Simbate, Moïse Katumbi, à ses dépens, il reconnaît. Et voilà qu'il félicite Sébastien Desabre. Nous sommes heureux que ça vienne de quelqu'un comme lui, qui a remporté pas mal de titres avec le tout-puissant Mazembe. Anglebert ou Yaya, qui peut équipe, on a en pleine difficulté à relancer Angomoni. Bah, Mazembe Oyo, Ezo le rôle à vite à Tango Fort. Il m'en a mis sous tête, tout ça, tatoué l'air. Pour il m'en a après, comment il aventure. Peut-être le FC Renaissance n'est bandeli nango. Donc, c'est-à-dire que Eza, Nzete, Oezo Bomba Zamba. Donc, l'arbre qui cache la forêt. Et c'est bien dommage. Voilà, chers amis, c'est un débat que nous clôturons pas. En tout cas, parce qu'il y a certains qui pensent que l'équipe nationale Ezali Moziki. Donc, Moziki Wana, Oyaye, Ate Mambongo, Nae, Totosa, Ali Kelembate. Équipe nationale Ezali Kelembate, on prend les meilleurs du moment, papa. Tosa, bah, ventir te. Joueur, Oazana Léopard, Lelo, Yotangela Bisoka, Kanani, Ango, Azobeta, Namboka, Azana, Tan, DG, Kolekaye, Azana, bah, statistique, Kolekaye, Potote, Ayetobo, ya peut-être. Azana, statistique, Ango, Azango, toujours dit, quel est ce joueur qui a brillé au Congo et qui n'a jamais été international, ou bien qui a débuté sa carrière internationale alors qu'il s'est expatrié. Eux tous ont débuté, ont été internationaux congolais en jouant à partir du Congo. Les Luinda, Malimpu, Limpu, tous les Mbokani,
Tous ces grands joueurs-là ont Les eu plein de Kassongo chance, même. Corando, les Mamale, Mamale d'ailleurs, en 96. Ertugal, qui est sélectionneur des Léopards, a su équipe à Memi Bango, Turquie-Allemagne. Pour ça, la préparation à CAN 96 et Betamang en Afrique du Sud. Tant que Zongi a eu un joueur, moko na Daring, club monté en Pembe, comme on a Emeka et Sanga Mamale. On dirait Nigérien, Emeka. Bah, Nigérien va bah, rappeler la combo. Tant que tu as eu un papa. A beti 5 matchs awa na Epefkin awa. D'ailleurs, le dernier match, écoute, qui est Azongi na ba joueur, notamment Mbiavanga qui était dans l'équipe nationale. Et Mbiavanga, meneur de jeu, hein, pratiquement même style que Emeka Esanga Mamale, même si Mamale yaza un peu plus élépé, hein, décalé, Makobe tapé na kati, Mbiavanga plus numéro 10. Mais, baye bisye Ertugal, il faut joyer. Aboy, aboy, okozoye. Tanga zuye, premier match, tobeti, topola na Gabon 2-0. Deuxième match, atie Mamale. La suite, batuna na Romelu, que tout na papa na epa betela ga epe li solo wana. Donc, ça dit que ce joueur a brillé, na mboka, a kota ka toujours équipe nationale. Wana, yaranango, touke ne gauche droite, a kota ka toujours. Il n'y a pas de quota, donc, s'il y a une étoile qui brille, s'il y a une étoile qui brille, elle sera automatiquement. Et puis, quel intérêt pour Sébastien de Sabre d'aller chercher un joueur au Soudan? Hein, d'aller chercher un joueur en Tanzanie, mais à Zouaté na RDC. Non, Azanaye, juste, il est objectif, to reconnaître que toza li sounde na championnat. Toza koko kate, to kasonite, on n'a pas les moyens pour soutenir un championnat na format. Oyo président Frédéric Kibasa, alingaki, po yende a sala li na foot na format, to koma na ngowana, to zonga na formule yakala, to betaka na ba province, après beaucoup tani na playoff. Je pense que Bongo et Ozala meilleure solution, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive qui, je l'espère, aura été très très passionnante. En tout cas, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue pour enrichir ce débat. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.